transformer ses déchets en énergie. À La Réunion, la distillerie de la rivière du Mât fonctionne au biogaz grâce au procédé naturel de la méthanisation. Depuis 2011, elle utilise de la mélasse mise en fermentation comme matière première. Avant la méthanisation, on achetait notre énergie, donc c'était du fioul qu'on pourrait utiliser dans la chaudière et on consommait jusqu'à 2000 m3 de fioul par an. Aujourd'hui, on en consomme même pas 100 m3. Les boues récupérées après méthanisation seront utilisées comme fertilisants sur les plantations de canne. Et l'excédent de méthane permettra de fournir de l'électricité. On va mettre à disposition donc du réseau EDF qui permettra d'alimenter jusqu'à 2000 foyers. La distillerie sera alors à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produira plus d'énergie qu'elle n'en consomme.